Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour vous? Regardez et rendez témoignage. J'ai beaucoup souffert. Après ça, j'ai sorti un autre album en 2007. Après l'album de 2007, ma voix est partie. Je n'ai pas compris pourquoi. Je dormais, au beau milieu de la nuit à 23 heures, j'ai fait... Il y a un liquide chaud qui est sorti de mon estomac, qui est remonté dans ma gorge. Ça a brûlé tout dans ma bouche. J'ai perdu la voix. Je vais à l'hôpital en urgence. Les médecins disent, oh, la dame, elle est devenue aphone. Plus de voix. J'ai fait 3 semaines d'hospitalisation pour pouvoir retrouver l'usage de la voix. J'ai commencé à parler, mais je ne pouvais plus chanter. Je ne pouvais plus chanter. Quand je suis là dans ma gorge, je me brûle. On dirait qu'il y a des aiguilles qui sont dans la gorge, partout. Je ne peux plus chanter. Moi qui aimais tellement chanter la gloire de Dieu, je ne pouvais plus. J'étais à la chorale, j'ai arrêté la chorale. Guilemana, Yeswa. Guilemana, Yeswa. Guilemana, Yeswa. Merci Seigneur. Il n'a encore rien dit ici. Je suis venu ici pour la première fois. Je ne connaissais pas le prophète Joël Crasso. Je regardais mes mails sur mon téléphone portable et je tombe sur un message de YouTube. Je regardais mon clip. Parce que j'ai mon clip qui est sur YouTube. Ah, okay. Je regardais et je vois une fenêtre qui s'ouvre. Je vois le prophète Joël Crasso. Je dis, ah, ça c'est quoi ça là-bas? Je prends quand même mon courage à deux mains. Je regarde. Je regarde, je continue à regarder toutes les vidéos qui ont suivi. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle de devenir accro. Moi qui avais l'habitude de dormir à 21h. Je dors jusqu'à 8h du matin. Mais la bonne chose dans cette histoire, c'est que quand je regardais les vidéos, le prophète disait que les sorciers, là, ils commencent leur travail à partir de minuit. Il dit, ah, d'habitude, moi, ils dorment à 20h-21h. Donc si aujourd'hui, je regarde les vidéos, et que je peux dormir jusqu'à minuit, ça veut dire qu'à minuit, je peux prier. Donc, à partir de minuit, je regarde quand j'arrête la vidéo, je me mets à genoux, je prie. Je m'en vais me coucher. Avant de me coucher, je mets mon réveil sur 4h moins 10. Parce que le prophète a dit que l'aurore
l'alarme, c'est à partir de 4h du matin. Donc, moi aussi, je mets mon réveil 4h moins 10, je me lève, je commence à prier. J'ai prié, Dieu m'a guidé jusqu'ici, la semaine s'est passée. Je suis venue le vendredi. J'ai eu un entretien avec le prophète. Après, il m'a dit, il faut revenir le dimanche. Alors que le lendemain samedi, je partais à une cure thermale à Perpignan. La seule qui a payé, on est en France. Il a fait commencer, il ne veut pas, il a remboursé l'État. Je n'ai pas l'argent. Donc il a dit à papa, il a dit papa, pardon, je ne peux pas reporter. Il a dit, bon, il faut revenir demain samedi. Samedi, je suis venue, je suis restée là jusqu'à 21h. Il était tellement fatigué. Moi aussi, j'habite loin, je suis juste vers Roissy là-bas. À partir d'une certaine heure, il n'y a plus de bus chez moi. Donc, il faut marcher au moins 45 minutes pour arriver à la maison. Donc, je me suis éclipsée doucement, je suis partie. Le lendemain, j'ai pris mon train, je suis partie à Perpignan. Je suis à Perpignan là-bas. Pour 3 semaines, je devais revenir le 1er octobre. Quelque chose me dit que il faut rentrer chez toi. Parce que je suis là-bas et puis ma gorge me fait mal. Ma gorge me fait mal, ça me brûle. Même pour avaler la salive, c'est difficile, ça chauffe partout. Je dis, ah, c'est quoi ça là encore? Quelque chose me dit, rentre chez toi. Rentre chez toi, rentre chez toi. J'étais là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas l'argent pour rembourser l'État. Si je vais là, je suis obligé de rembourser. Donc je fais comment? Le matin, je me lève, je prends gros cœur, je m'en vais à la cuisine là-bas. Je dis à la responsable, je dis, madame, excusez-moi, j'ai un problème chez moi, il faut que je retourne. La femme grande, elle me regarde jusqu'à, elle dit, ah oui, mais vous êtes là pour 3 semaines, maman. Je dis, oui, je sais que je suis là pour 3 semaines, mais il faut que je retourne chez moi. J'ai un gros problème, je ne peux pas vous expliquer. Bon, la dame, Dieu a touché son cœur, elle m'a dit, il faut partir. J'ai pris la route. Me voilà, je suis arrivée à la maison hier nuit. Ma gorge me fait mal, ça me brûle. Je ne sais pas comment faire pour dormir. Je suis arrivée à 23h15. J'étais là juste en... Après, je vois, je suis couchée sur le canapé, je vois une bouteille d'huile d'olive sur mon buffet. Je dis, ah, mais c'est quelle bouteille qui est là? J'avais oublié que j'avais pris des bouteilles d'huile ici. Et je me lève, je regarde la bouteille et je dis, mais je n'ai pas fait les courses avant de partir. L'huile, là, c'était où? Maintenant, je me rappelle que j'ai pris de l'huile à l'église ici. J'ai dit, bon, on va voir ce qu'on va voir. Moi, j'ai mal à la voix, j'en ai marre. J'en ai marre. Et je me suis levée, j'ai pris une petite bouteille d'eau, je l'ai vidée un peu. Et j'ai renversé une partie de l'huile là-dedans. J'ai secoué, j'ai bu. J'ai bu jusqu'au milieu et je suis reparti me coucher. Le matin, à 4h10, comme d'habitude, je me lève, je prie. Dans ma prière, quand j'avais bu, avant de me coucher, je dis à Dieu. Je dis, Père, tu dis que tu m'as donné la voix pour te louer. Mais ça fait presque combien de temps je souffre de ce problème de voix. Je n'ai même plus de souffle. Quand je marche un peu, je suis essoufflée. Les médecins font les examens, ils ne trouvent rien. Ça, c'est, je suis fatiguée. Mais voilà, j'ai bu ton huile, la gardie, t'as donné à ton prophète. C'est ça, j'ai bu. Si ma maladie là, vient vraiment de toi, alors que les médecins trouvent la solution. Mais si ça ne vient pas de toi, alors quand je me réveille demain, là, je n'ai pas pouvoir chanter. Et je suis allée coucher. Ce matin, je me réveille, comme à mon habitude, je chante dans la salle de bain, mais à cause de la gorge, de la douleur, je n'arrivais plus. Et je commençais à chanter. Je dis, c'est bizarre, je ne sens même plus les douleurs qui étaient là hier. Donc, la douleur, ça fait comme si j'ai des aiguilles dans la gorge. Je dis, ah, je ne sens plus les douleurs. Et puis, j'ai commencé à chanter. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Quand j'ai prié à l'Éternel, les murs de Jéricho sont tombés. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Quand j'ai prié à l'Éternel, les murs de Jéricho sont tombés. Et quand j'ai vu que j'ai chanté que je n'avais pas mal, je me suis mise à genoux dans la
dans la baignoire. J'ai levé les mains au ciel, j'ai dit merci mon Dieu. Merci Père, merci. Si tu m'as redonné ce pouvoir-là pour que je chante pour toi, alors que gloire te soit rendue. Amen. Merci. Merci.